Et yo les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Adopt Me, mais plus précisément vous allez voir, bon je pense que vous aurez vu certainement la miniature, etc. etc. Le titre. Donc je vais pas faire durer le suspense 46 ans, mais en gros, regardez, je suis sur Adopt Me, mais je suis pas du tout connectée sur le bon compte, puisque je suis connectée sur le compte Anon. Alors sachez-le. Oh, en plus il se connecte, hein, il se connecte. Il a commencé à jouer hier. Je crois, bah, jour 1, jour 2, ouais. Et il kiffe le jeu de fou. En gros, il kiffe le jeu de ouf. Donc, sachez que Non, c'est un pote à moi. Si j'ai son compte, c'est que tout simplement, à un moment donné, il m'avait prêté son compte pour que je l'aide à configurer un truc, enfin, dans les paramètres. Il savait pas un truc, bref. Et du coup, il a pas changé de mot de passe depuis. Donc, j'en profite, moi, pour un petit peu rigoler. Donc, déjà, j'ai eu désactivé. Les fêtes comme ça, au moins on sera pas dérangé, mais en gros je suis sur Adopt Me sur son compte et je vais faire des dingueries. Donc bon, rien de méchant, vous savez, hein. Par contre, s'il vous plaît, si vous connaissez sa chaîne, je vous mets sa chaîne encore en description, n'hésitez pas à aller le voir, etc. Il vient seulement de commencer YouTube, il a fait 2-3 vidéos max et ça fait seulement quelques jours qu'il est sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller vous abonner, il est hyper cool. Et en gros, ce que je vais faire, c'est déjà je vais changer son skin, je vais mettre un truc pas beau. Et bon, pour m'excuser, je lui laisserai quand même un de mes pets, donc un pet, je pense, Fly and Ride, il mérite vraiment, il débute et il aime beaucoup le jeu, donc il va faire des vidéos sur Adopt Me, et puis il fait aussi des vidéos avec moi et la team d'élite sur Brookhaven RP sur Roblox, donc n'hésitez pas si vous kiffez Roblox, bref. Je parle beaucoup, mais on va commencer. Donc déjà, on va regarder un petit peu ce qu'il a. Donc pour le moment, il a juste le... Oh, mais il a quand même... Il lui a mis la casquette et tout. Donc il sait mettre des accessoires au pet. C'est déjà un bon début. Bravo à toi, Non. Bon, je pense que tôt ou tard, il tombera sur ma vidéo. J'espère qu'il tombera pas dessus trop vite. Ne me balancez pas, les gars. Sinon, je vous balance une malédiction, d'accord? Donc il a de la bouffe. Il a pas encore de véhicule. Il a un petit jouet pour son pet en cadeau. Il a un petit cadeau. Mais bon, je vais pas l'ouvrir. Je vais lui laisser... Oh! Oh là là, attends, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu une... Apparemment, il y a eu des mises à jour que j'ai ratées sur Adopt Me, donc il va falloir que je me mette à la page. Mais, donc, ce qu'on va faire, c'est que on va se changer. Donc, techniquement, je peux le changer directement sur le jeu. Il faut vraiment mettre quelque chose d'éclaté, sinon c'est pas drôle. Donc, on va trouver... Ah oui, il y a que des trucs gratuits, donc bah, j'ai pas trop le choix, donc voilà. On va mettre ce que je peux. Ok. Ah ouais, non, merde. Ah ouais, attends. Attendez, bah du coup on va lui mettre quelque chose, un petit pantalon, genre. Le problème c'est qu'il y a tous les trucs qui sont stylés, donc comment je vais faire pour qu'il soit pas beau? Est-ce que je pense... Oh, je vais le mettre en caleçon. Je peux le mettre en caleçon? Oh, c'est trop, c'est pas beau. Faut avouer, c'est pas beau. En termes de cheveux, oh, on va lui mettre une coupe comme ça, genre. Attends. Oh! Attendez, on va pouvoir... Non, sérieusement, on peut vraiment genre mettre deux coupes l'une sur l'autre. Attendez, une coupe trop en mode chelou. Donc soit une coupe qui est pas belle, soit une coupe... Enfin, en gros, il faut qu'il se connecte et directement, il remarque qu'il y a un truc qui va pas. Il faut directement qu'il remarque qu'il y a quelque chose qui va pas sur son compte. Donc, oh, en vrai, cette coupe, elle est trop bien, cette coupe. J'adore. Si je serais un garçon, c'est littéralement la coupe que je mettrais. Hein. Je vous le dis clairement, c'est the coupe que je mettrais. Ah, celle-là, elle est un peu bizarre. Au pire, on laisse la coupe en dessous et ça passe. Et en accessoire... Faut juste que je lui enlève le bob. En vrai, je lui enlève le bob, je pense que ça passe. Voilà, le bob. J'adore. Non, en vrai, ça passe comme ça. En vrai, je vais lui mettre ça. On va peut-être lui rajouter d'autres trucs. Ouais, ça, parce qu'il n'y a rien qui va. On va lui laisser ça. On va peut-être peut-être trouver d'autres petits... Oh, ça, c'est pas mal. Oh, heureusement que les accessoires, ils sont là pour qu'on puisse faire quelque chose d'horrible. Qui est un peu littéralement le but de cette vidéo, c'est de faire quelque chose de horrible. Et ensuite, ici, lui va se connecter, va se dire, attends, mais pourquoi? Papier toilette. Oh, oh non, mais oui, mais je mets ça et franchement, oh, par contre, s'il y a des gens qui veulent me balancer, balancez Madame Toilette. Hein. Si vous voulez me balancer sur sa chaîne, s'il vous plaît, les gars, dites que c'est Madame Toilette, comme ça, je mets le PQ. Hein. Je lui laisse le PQ. Hein. Vraiment. Hein. Donc, on va lui laisser le PQ, on va aller voir par là, même si en vrai, je pense qu'on est déjà plutôt pas mal au niveau des accessoires. En vrai, je vais pas rajouter plus que ça, parce qu'il y a tellement déjà d'informations là sur ce skin. On va rester comme ça. Je pense qu'on valide comme ça. Et on va l'appeler
BG, voilà. Sauvegarder, save outfit. Ah merde, je l'ai changé son truc. En fait, moi, je pensais que c'était sauvegarder. Voilà. Voilà, et on va rester bien évidemment porté. Ouais, ok, c'est bon. Bah écoutez, pour l'outfit, c'est vraiment pas mal. Maintenant, le souci, c'est qu'il va falloir que je me connecte sur mes deux comptes en même temps, sur Adopt Me et sur Adopt Me aussi, parce que du coup, faut que je lui offre les pets. Donc, je vais faire ça. Je vais faire un petit cut le temps de lancer le deuxième et je vais me faire un échange à moi-même. Le problème, c'est que je pense que je ne pourrai pas, donc peut-être qu'il va falloir que je passe par quelqu'un pour me l'offrir. On va faire ça comme ça. Et me revoilà les amis, donc waouh, ça a été vraiment un petit peu chiant, mais bon. Oh, bah il y a des Français. Oh, ça essaye de s'arnaquer, non je pense, arnaqueur, chef. Bref, tout ça pour dire, ah, hop, voilà, comme ça on désactive, s'il y a des insultes, ce ne sera pas de ma responsabilité. En tout cas, voilà, en gros, j'ai demandé à une pote de se connecter sur mon compte à moi pour me trade sur ce compte-là et du coup m'offrir des trucs que je lui avais demandé de m'offrir, du coup, voilà, en partage d'écran, tout ça, t'as capté. Et donc, voilà, je vais vous montrer ce que j'ai mis sur son compte. Le truc, c'est que je pense qu'il ne connaît aucune valeur des pets et des items que je lui ai donné. Genre, vous allez voir, je lui ai donné le Cerberus juste là. Le Cerberus, je vais y arriver. C'est dans... Voilà, monter sur les épaules. Voilà, un petit Cerberus ride. Voilà. Donc j'espère qu'il va aimer. Je me suis dit, bon, ça, je pense que ça peut être littéralement le genre de pet qui va kiffer. Obligatoirement, il va kiffer. Je lui ai offert aussi, bah, du coup, un petit Metal Ox et le Lunar Ox normal en me disant, bon, vu qu'il ne peut plus les avoir, c'est quand même des pets, voilà. Un petit Snow Hall aussi, le petit Snow Hall, vous connaissez l'événement de Noël 2020. Et un petit un coconut, c'est enfin un lynx quoi, bref. Et je vais donner surtout celui-là parce que justement il est fly, comme ça il aura au moins un pet fly et un pet ride. Je vais y arriver. On va hop. Voilà, un petit dino parce que je le trouve méga stylé. Bon, un petit Shiba Inu parce que bon, Shiba Inu, on va dire sur Adopt Me, c'est un peu la base. On va pas se mentir. Tout le monde veut un Shiba Inu, c'est trop bien, c'est trop beau. Et en plus, ça va bien avec, du coup, voilà, le maître. Regardez le maître, regardez le pet. Hein, il y a une ressemblance, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que nous avons encore? Voilà, celui-là, parce que je le trouve méga stylé. Je sais pas s'il est forcément rare, celui-là, même moi, je connais pas sa valeur. Mais en vrai, je le trouve méga stylé, trop mignon. Et voilà, donc ça, c'est en pet. Après, bon, je vais donner quelques petits accessoires, genre d'Halloween, qui irait bien d'ailleurs. Non, quoique, une double paire d'ailes, c'est peut-être pas ouf. Voilà, des petits accessoires, voilà, une petite poussette fusée, parce que je trouve ça stylé. En nourriture, j'ai rien donné, c'est pas hyper important. Un petit véhicule, voilà, une petite voiture, histoire qu'il puisse se déplacer. Tranquillement, de petits jouets, et ça aussi je trouve ça bien parce que du coup, vu qu'on peut s'agripper aux maisons, il le découvrira par lui-même que ça peut être utile. Et j'ai offert des petits cadeaux, donc j'ai offert une petite Oxbox, donc c'est justement la box lunaire, la box qu'on pouvait avoir au Nouvel An chinois, donc avec tout ce qui est les petites vaches, les Metal Ox, machin, etc. Lunar Ox, on peut l'avoir dans celui-là, donc peut-être avec un peu de chance, il tombera sur la vache la plus rare, ou bien sinon, c'est pas bien grave. Attendez, d'accord, c'était bien un métal que je lui ai donné. C'est pas le normal. Ouais, c'est le métal. Donc il a le métal, le Lunar Ox, et même s'il reçoit le moins rare, bah, au moins il aura chacun des trois, et au pire, je lui donnerai. Voilà, je lui ai donné les petits cadeaux, parce que j'en avais, et je savais pas quoi en faire, et je sais même pas trop ce que ça donne, mais peut-être qu'il aura plus de chance que moi, et tombera sur un truc hyper rare. Je ne sais pas, ça dépendra de lui, mais en tout cas, j'espère que, voilà, je pense que dans un premier temps, il va se connecter, il va voir son skin, il va se dire, what the fuck, c'est quoi ce bordel? Mais il va peut-être avoir peur au début, je ne sais pas, je sais pas la réaction qu'il aura, mais je pense qu'il ira voir dans son inventaire pour voir si on lui a piqué peut-être le seul pet qu'il avait à la base, donc celui-là, et quand il va ouvrir son inventaire, il va se dire, ah ouais, non, ça va, ça c'est pas quelqu'un de méchant qui s'est connecté sur mon compte. De toute façon, je pense qu'il va vite faire le lien avec moi, parce que je pense pas qu'il ait donné son compte à d'autres personnes que moi. Mais bon, il a pas changé son mot de passe, hein, c'est pas de ma faute, hein, il avait qu'à le changer, hein. Bon, en tout cas, j'aurais bien rigolé. De toute manière, il a enregistré son style vestimentaire dans sa vie, et voilà, il aura qu'à remettre le non s'il veut le récupérer, hein, ça va, c'est pas trop méchant, c'est juste pour rigoler, il aura juste une petite frayeur, ça devrait aller. En tout cas,
J'espère que cette vidéo elle vous aura plu, j'ai voulu rigoler, j'ai voulu faire une version piratage, version Roblox, hein, pour changer de MSP. J'espère que ça vous aura plu, et si entre temps il change toujours pas son mot de passe, et si vous aimez bien cette vidéo, bah je lui referai la maison complète, je viendrai, je lui donnerai des sous avec mon compte à la caisse enregistreuse, et je lui referai toute sa maison, version troll, on va faire un truc totalement troll. D'ailleurs, n'hésitez pas déjà à soumettre des idées pour sa maison en version troll, et on lui fera ça. N'hésitez pas à aller également vous abonner à sa chaîne, tout ça, de toute façon les liens dans la description, etc, etc. Et encore une fois, si vous voulez me balancer pour ce piratage, eh bien dites que c'est Madame Toilette, dites pas que c'est 15 parce que je pense que Madame Toilette, en plus, il connaît pas trop, c'est mon pote, mais je pense qu'il ne connaît pas, enfin, il connaît pas ma cousine Madame Toilette, t'as capté. Bref, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous à vous les amis, ciao ciao.